Pour expliquer, on va faire reggae. Ah, les gars, vive la Jamaïque. Normal à un hein, reggae boy. Voilà, je vais mettre son petit nom. On va voir s'il n'y a pas un petit Marley. Comme ça. Ce serait au top quoi. Matters, Marlon. On va voir s'il n'y a pas un petit Bob. On va voir un Bob. Moi je vais être plus sérieux, hein, les gars, après. Hein. Là je cherche juste. Allez, Bobo. Allez, c'est validé pour Bobo. Voilà les gars, je suis dans le délire à fond. Ça prend un petit peu de temps, mais je vais vous expliquer pour ceux qui n'y arrivent pas, pour l'évolution des stats, l'évolution des techniques, comment les valider. Et puis comme ça au moins, bon, en tout cas sa tête et tout, hein, je vais pas lui faire des cernes. Alors, juste des bonnes dreads. Allez. Bam, bam. Coupe de cheveux. Dreadlocks. Voilà notre petit Bob. Peut-être lui faire une petite moustache. Ah, vous pourrez avancer les gars. Je vous en voudrais pas. Voilà, petit Bob Marley au calme. Bon, c'est pas très ressemblant, mais bon. Vous m'avez compris quoi. Physique. Ouais, je fais 1m78, voilà. Ah, faut qu'il ait un peu de style quand même. Ah, moi je mets toujours les Predators. Au calme. Des gants, normal, hein. Jamaïque, ils si vont jouer à. Ou il neige, même s'il pleut, il lui faudra des gants, quoi. Tac, tac. Voilà. Normalement, c'est bon. Je sais même plus s'il est gaucher ou droitier, mais bon. Ah, merde. En fait, on pouvait aussi faire les célébrations de but et tout. Je voulais vous montrer, en fait, c'est pour ça que je prenais mon temps. Bon, on va le mettre 10, hein. Numéro 10, Bob. Hein. Bon, voilà. Là, on arrive au niveau du choix. Alors, comme c'est expliqué dans leur site, c'est 77 en endurance. Et là, comme mon joueur, il fait 1m78. Et il a le droit à avoir 72 voilà, de contact physique. Et je crois, la vitesse maximum, ça doit être. 77, je crois, un truc comme ça, de tête. Hein. Mais sinon, il n'y a aucune restriction pour le reste. Donc voilà, vous pouvez voir que voilà, il est bien noté en passe, en dribble. Même coup de pied arrêté, ça va augmenter. Voilà, mais en fait, vous pouvez revenir en arrière. Et si à ce moment-là, en fait, les stats sont trop hautes, et ben, vous pouvez changer. Par exemple, là, 69. Allez, on va le faire. 69, hop, ça revient. 69, ouais, encore meilleur. Ah ouais, allez, j'ai bien fait là.
Bah voilà, là vous pouvez voir là, voilà, on est bien là, on est vraiment bien là. Et donc maintenant je vais vous montrer, voilà. Bah, bon, je vais faire jouer en Angleterre. Même si je vais voir s'il n'y a pas, bah non, j'avoue, il n'y a pas de, non, pas de championnat nord-américain, malheureusement. Alors, je vais faire jouer en Ligue 2 anglaise. Même si c'est préférable, ce serait mieux, j'avoue, qu'il aurait joué en Espagne ou, enfin, mais bon, en fait, on est dépendant de l'équipe, du coach, quoi. Les instructions du coach, on est dépendant. Voilà, ça, j'avoue, ça met un peu de temps à charger. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, voilà, moi ce que je fais souvent, je fais une sauvegarde. On sait jamais, hein. Voilà, coupure d'électricité ou, enfin, voilà, on sait jamais. Mais moi je fais toujours une sauvegarde, voilà, pour valider. Hop, sauvegarder. Mais je déconseille de mettre sauvegarde automatique parce que si, comment dire. Si on sauvegarde pas, voilà, ça peut. Donc après la sauvegarde, voilà. Mais en fait, en général, voilà, moi je sauvegarde après avoir fait ça là. Donc ici, en fait, ces points-là nous permettent d'augmenter les stats comme on le souhaite. Et ici, en fait, si on met les 6 points à fond, le temps pour apprendre une technique. Regardez, je vais vous montrer par exemple. Voilà, lui est numéro 10. Je vais lui mettre en premier temps, passant une touche. Et ça met 100 joueurs. Mais regardez, si je descends, voilà, 1000 joueurs. Hein. Donc voilà. Et après, moi je sors. Je re-regarde les stats. Et là, vous avez vu, déjà ça a déjà augmenté parce que par rapport que c'était de base quoi. Donc maintenant, pour moi, le plus important, ce serait bah, d'augmenter l'endurance, mais que ça pas trop vite. Le physique aussi. Comme je vous ai dit, je crois, quand c'est 1m78, c'est limité à 72. Et la vitesse est 78. Après, et ben après, moi là, en général, j'aimerais que mon joueur. Il augmente en force, ça veut dire, voilà, on va y aller. Là, je mets entraînement. Dans force, moi je le mets à fond comme ça. Dès que j'arrive près, on va dire, dès que j'arrive à 70, je baisse. Donc là, maintenant, pour pas qu'il prenne trop vite, ça c'est une technique, j'avoue, c'est grâce à Elias, hein, merci Elias. Soit vous, en fait, vous enlevez tout, ça a augmenté, mais ça a augmenté. Voilà, vous faites ça. Quand vous êtes prêt à 72, si vous voulez pas que votre joueur y prenne trop vite, vous enlevez tous les points, vous laissez juste pour votre technique. Parce que des fois, on peut arriver à 72 ou 73 très vite, parce que voilà, les stats augmentent vite. Donc là, on va reprendre. Voilà, force. Allez, peut-être dribble. Hein. Je vais peut-être l'augmenter un peu plus en dribble et en tir. Voilà. Moi j'aimerais qu'il soit un bon 10. Et voilà quoi. Après, voilà, pour voir l'évolution, vous venez ici. Hein, on va faire un petit test. Par exemple, là, qu'est-ce qu'il nous a dit l'entraîneur adjoint? Voilà, c'est tout le début. Hein, on va aller voir pour. Voilà, il y a un match. Donc là, on regarde, voilà, on est titulaire. Moi, en général, pour que ça aille vite, voilà, on va dire un joueur, à partir d'ici, ça va mettre une demi. Là, en général, moi, je regarde toujours quelque chose avec, voilà, une petite série, un match de foot, un replay. Et voilà, moi, je passe les matchs.
Voilà, je fais pas ces matchs. Ils vont me dire, ouais, est-ce que vous êtes sûr? Je continue. Là, bah, on a perdu. voilà, bon, ça va, 5-8, hein. Mais bon. Ah merde! J'aurais dû vous montrer en fait les données. Et vous aurez vu en fait l'évolution d'un match à l'autre. Enfin, de. Cri-cri. Bam. Elle a donné. Donné. Vous avez bien vu que il y en a qui ont augmenté. Équilibre déjà, ça a augmenté. Voilà. Et en fait, vous réitérez ça, voilà. Vous faites encore suivant jusqu'à et à chaque match vous les passez ou si vous souhaitez vous exercer vous pouvez jouer un match hein, mais je le déconseille parce que c'est un peu long, c'est même si moi je mets 12 minutes les matchs, j'ai déjà essayé, c'est un peu voilà, on est dépendant de l'ordinateur. Voilà. Là ça a pas évolué encore parce que c'est après les matchs en fait que les stats ou quand le temps passe que les stats augmentent. Voilà, on a encore perdu. 2 matchs, 5-8. Là, est-ce qu'il y en a une autre qui a augmenté? Non. Mais vous verrez, là, passe à terre, ça sera la prochaine qui va augmenter. Genre, peut-être le prochain match ou dans 2 matchs. Voilà, là, c'est les négociations de transfert. Un conseil aussi, quand vous avez assez le temps et que vous arrivez au mois de janvier et que vous voyez que vous avez une proposition de contrat en Amérique latine, je vous conseille de le faire parce que comme ça c'est l'année civile et ça commencera le championnat et vous finirez le championnat en fin d'année civile. Du coup, c'est mieux pour progresser aussi, pour faire progresser son joueur, c'est beaucoup mieux. Encore perdu. Après, vous. Ah, but! Ouh, un but, ouh, le petit Bob il a marqué notre petit Bob. Et là regardez la passe et là regardez là le prochain ça sera 63 63 là au niveau de la force et même accélération ça devrait augmenter le prochain match et peut-être tête. Allez j'en fais une dernière et puis je pense que vous avez compris le principe hein. En tout cas bah les gars voilà pour ceux qui à qui ça pourra servir, ben je serai content parce que j'avoue que moi aussi pour assimiler un peu au début, mais j'avais déjà fait ça dans les il y a 2 PES je crois ou 3 PES j'avais déjà testé mais j'avais pas trop joué quoi. Ouh 1-0. Putain, je crois que je vais le garder hein, ce petit Bob Marley là. Ah ouais ce petit Bob. Ce petit Bob, je crois que je vais le garder. Parce que il m'a l'air pas mal du tout, quoi. Passe, c'est très important, je trouve. C'est pour ça que je lui ai fait apprendre la passion et tout. Et regardez, 64. Voilà, on a passé. L'accélération, pas encore, mais on a aussi eu dribble. Là, on a eu 69. On était à 68. Voilà, le petit Bob, il augmente bien. Bah merci hein, les gars, si ça vous a fait plaisir, bah, voilà, si je peux aider, je suis là. Allez, à la prochaine.